balandia www.congosacola.org car on a n'engue to mesana ko tambola ko lukela bino information le loto ko meka ko lobela moi ma kambota li politique mais plus to lobela opposition apparemment na opposition congolaise le lot on dirait basé à Kokabwana na debi ya semaine bandeko ya front populaire oyo ya lisanga bonganga batena ki point de presse bandeko ya front populaire bazako accusé bandeko na bango mususu ya opposition ya dynamique pour l'unité d'action disant que bango bazana posa tokende na dialogue mais un dialogue congolo congolaise si je peux le dire mais bango na front populaire balobi bazana posa ya format ya dialogue oyo Tshisekedi Etienne Tshisekedi a sengaka na décembre 2014 c'est-à-dire un dialogue avec une médiation internationale alors biso tozaki na salle tokoloba mingi te totiki bino bolanda on tout juste après ma image. On se retrouve tout juste après ces images. Le débat d'idées prend les pas sur les enjeux des personnes. L'opposition devient une force de proposition et d'initiative. Le Front populaire contre la révision constitutionnelle rejoint le camp du changement. Un changement démocratique pour une alternance constructive et républicaine. Mesdames et messieurs de la presse, le Front populaire constate avec amertume que nos collègues de la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition ont levé l'option d'appartenir désormais à la dynamique acquise au glissement. Ceci se justifie par le fait que, un, nos collègues partisans du glissement ont fait à tort de la CENI, organe technique, un lieu de véritable discussion politique. Non. Nous devons dire la vérité au peuple que le dialogue avec la médiation internationale est incontournable. Deux, nos collègues, membres de la dynamique et du glissement, savent bien que la CENI est sous la bénédiction du pouvoir, mais ils préfèrent dialoguer au second plan avec la CENI au lieu de discuter directement avec les vrais décideurs du pouvoir. Non, disons la vérité à notre peuple que le dialogue prôné par le président Étienne Tshisekedi est incontournable pour sauver la nation en danger. Trois, nos collègues membres de l'opposition accusés au glissement exigent de la CENI de lancer un appel d'offres, de procéder urgemment à l'enrôlement sans savoir exactement quand cela commencera et quelle marge de manœuvre allons-nous disposer pour arrêter la CENI. S'agit-il d'un chèque en blanc, d'une naïveté ou des accords secrets? Non. Disons la vérité à notre peuple que le président Étienne Tshisekedi est un visionnaire. Retrouvons-nous autour de lui et engageons un dialogue sous la médiation internationale, avec le pouvoir qui veut s'éterniser au-delà de 2016. Quatre, nos collègues de la dynamique de l'opposition acquise au changement, au glissement, décident de sensibiliser le peuple pour l'enrôlement, tout en sachant qu'ils sont conscients que cette initiative
va aboutir à quel que soit le cas de figure au glissement. Non, chers collègues, il faut avoir pitié du peuple et lui dire la vérité, que le dialogue sous la médiation de la communauté internationale est incontournable. 5. Chers collègues membres de la dynamique de l'opposition acquise au glissement, hier, quand il refus, par quelle alchimie seront réglées toutes les montagnes des problèmes que pose à ce stade l'organisation de notre pays d'inscripteurs crédibles et apaisés. Non, arrêtons de mentir notre peuple. Il faut dire la vérité au peuple, que le président Étienne Tshisekedi a raison. Il faut un dialogue politique sous la médiation de la communauté internationale. Mesdames et messieurs de la presse, pour nous, la CENI est une simple institution d'appui à la démocratie, donc à vocation technique. Par ses attributions, la CENI n'a aucune compétence pour régler les problèmes politiques, lesquels, en l'occurrence, restent du ressort du dialogue politique. Il s'agit là d'un faux alibi. Il s'agit d'une posture. Et qu'il soit bien noté qu'avec toutes ces contraintes financières et politiques en suspens, le seul et unique moyen de soutenir le glissement de confort, c'est de refuser les dialogues politiques tels que défendus par nos collègues de la dynamique acquise au glissement. Mesdames et messieurs de la presse, au-delà des surenchères politiques de tous bords, il n'y a pas de vertu plus constructive que le dialogue. Le dialogue politique avec la médiation internationale est donc incontournable. Selon le président Étienne Tshisekedi, avec sa demande depuis décembre 2014. Mesdames et messieurs de la presse, l'heure est grave. Et nous lançons un appel pressant à l'égard des vrais opposants de rejoindre le camp du changement autour du président Étienne Tshisekedi. Le Front populaire prévoit un meeting de vérité le 29 août 2015 au terrain GD de Lemba. Bandeko balandi ya www.congosacola.org. Boutiko landa na bilili ndenge point de presse ya bandeko ya Front populaire ezalaki. Biso to na maloba ya obakisate. Mais ceux qui na koloba bakisa loba kaka eloko moko bandeko ya Front populaire balobaki le 29 août bazan na meeting na terrain ya GD na Lemba. Donc jusque là, ils en ont affaire à suivre. Dans le meeting, on a évité ce balobanin. Biso, to l'accès binokaka au bango balobaki na point de presse. Le reste, ils ont affaire à suivre. Maintenant, on peut ça. Merci Mingi. Mingi pena ya Mingi, donc Mingi ya munene. Na Marlon Kopa, yé ayebi au yasali pour te réaliser l'émission. Et
ce qui vous appelle qui n'a pas image réellement soyez tout bien arrêté trois fois maestro Patrick Kaouma Ileng na assistant à Steve Zola mais merci Moussou Penado wana sukeza merci au-dessus de la mêlée merci merci à Likolo et à Likolo na monsieur Nico Landvang hein mto sala ye 3w.congosakola existé sans y être site où ils atteignent. Comme vous, c'est pour la site, il faut te remercier. Donc, vous continuez à l'Olanda, www.congosakola. Je suis en train de vous dire que vous avez un bon et vous continuez à faire ça, vous avez un bon plaisir. Merci. Vous avez un bon plaisir. Ciao.